Salut à tous. Salut. On se retrouve pour une nouvelle journée dans les parcs et la dernière à Animal Kingdom. Il est 7h10, ça ouvre à 7h30. On est bien en avance aujourd'hui, c'est cool. Et alors, pour ceux qui nous demandent, étonnamment, aux Polynésiennes, on pensait qu'on mettrait une demi-heure à chaque fois pour rejoindre les parcs, à part Magic Kingdom. Et en fait, bon, à part Animal Kingdom, on met un quart d'heure, enfin, on met moins de temps de Magic Kingdom à certains parcs que quand on était au Animal Kingdom. C'est bizarre, hein? J'étais persuadée qu'on mettrait une demi-heure pour tout. Epcot, je vous jure, de porte à porte, on était rentré en 13 minutes. Mais le temps de prendre un monorail, de reprendre un autre monorail et d'arriver à notre chambre, 13 minutes. Là, pareil, on a mis 12-13 minutes du poly au Animal Kingdom. Bon, Magic Kingdom, c'est en face. Et Hollywood Studio, on a tracé. Hier, vous avez vu, on était au show. On a traversé tout Hollywood Studio. Et donc, dès que le show s'est fini, on a mis 25 minutes pour être arrivé à notre chambre. Bon, je coupe parce qu'il y a les contrôles. Je vous reprends. Il faut savoir que je sonne tous les jours, sans exception. J'ai un contrôle tous les jours. Mais en fait, c'est à cause de mon boîtier à lunettes. Donc, ils me disent de le mettre en avant pour passer les portiques. Mais des fois, je me fais quand même contrôler. Donc aujourd'hui, j'ai oublié mes lunettes et j'ai pas sonné. Je sais pas ce qu'il a mon boîtier, parce que tout le monde a un boîtier à lunettes dans son sac. Et comment ça se fait, je sais pas. Mais franchement, les contrôles avec ces portiques, c'est génial. Avant, franchement, c'était un par un qui fouillait les sacs, mais il fouillait très bien les sacs. Hein. Dès qu'il y avait une boîte ou un boîtier, il fallait tout ouvrir, Là, les portiques, c'est cool. Bon, je me fais quand même contrôler, mais non, c'est vrai. Ils regardent juste un peu dans le sac et c'est tout. Mais c'est très rapide, c'est très cool. Aujourd'hui, deux restaurants de réservés. Alors un c'est une première et l'autre, alors l'autre non, on l'a déjà fait une fois. Bah vous verrez bien. Et nous on va se mettre. Oui. Ah oui, pour les petits rigolos qui critiquent, si je peux me permettre, entre guillemets, le fait qu'on mange beaucoup, et même certains qui sont au courant qu'on mange beaucoup plus apparemment nous hein, ici que chez nous. Bah faudra me dire comment ils savent ce qu'on mange chez nous quand même, déjà de une. Et de deux, non. Chez nous on mange matin, midi, soir, ici on mange midi et soir. Donc oui, même en vacances on mange. Non, on se nourrit en vacances. Attention parce que ça, j'ai vu là deux notes qui me faisaient de l'œil, donc peut-être que je vais manger matin, midi, soir. Attention, on a une résa à midi. Hein. Ah oui, il est 7h. Mais voilà, donc oui, désolé de vous décevoir ou de paraître pour des porcs, mais on continue de manger en vacances. Mais on se nourrit quand même. Effectivement. Scoop. Par contre, on marche beaucoup plus, donc ça va, je peux me permettre de manger. Mais même si tu marchais pas, t'as le droit de manger. Ah ben, c'est déjà ouvert, vous voyez, il est 7h15. Bah vous savez où on va déjà, hein. Donc on se retrouve à Avatar. C'est bon, on est dans la file, enfin, extérieure, mais on est dans la file. Ce matin, c'est vachement plus rempli que les autres matins, parce qu'on est arrivé plus tôt, on est plus loin. Et la masse, là, je vous jure, ça fait 5 minutes que ça avance de l'autre côté pour se mettre dans la ligne. C'est impressionnant, là, ce matin. Mais vraiment, il y a beaucoup plus, hein. On approche du temps de Noël. Ah ouais, je pense que... On fait bien de partir bien... Enfin, non. On serait bien resté, mais... Niveau affluence... Déjà, nous, franchement, c'était pas facile, l'affluence. Heureusement qu'on avait déjà fait les parcs plusieurs fois, parce que sinon... Franchement, c'est pas facile. Hein. Bah alors là, si on serait resté en période là, Noël, oh yo yo. Et voilà. Je vous remontre Pandora parce que tout le monde aime le land de Pandora. Sauf Mathieu, il a horreur de ce land, il dit qu'il est trop moche. J'ai jamais dit ça. Les personnes ne le voient jamais. Yeah.
voyez, on est arrivé là, juste au moment d'être placé pour le pré-show et après pour monter sur la banshee, sans attendre, on a marché jusque là en fait. Donc, levez-vous tôt, levez-vous tôt, levez-vous tôt. Voilà. Oui, mais c'est vrai, bah pour nous ça marche, écoute. Bon, comme d'hab, oui, je m'en lasserai jamais. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Et du coup, vous voyez, on sort, là d'Avatar, il est 8h07, on va à Navy. 5 minutes. Ah, et aujourd'hui, Cali réouvre. Les bouées. Les bouées de Animal Kingdom réouvrent. Je ne sais pas si on va les faire, parce que je pense, franchement, ça va être blindé. Cali River ? Ouais. Bah, bon. Et j'ai pas envie. Franchement, il y a 20 minutes, je veux bien. Je vais regarder s'il y a déjà une... Ah, et alors, combien ? Attends, je vais regarder. Ah, d'accord. En attendant, je vous montre ce bel environnement. Et je me tais pour que vous puissiez profiter des bruits. Non, c'est pas encore. Alors, est-ce que je me suis trompée de jour ? Je sais pas, mais là, en fait, y a rien de... traverser tout le parc, tenez, regardez le lunch fly en fait. Le temps de traverser tout le parc, il est 9h-25 et 5 minutes à Everest. Et je vais pas me répéter hein, de vous lever tôt, c'est pas la peine, on est d'accord. On est d'accord, du coup je coupe. Bon, il est 9h-15 et on a déjà fait du coup les trois attractions qu'on voulait. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, le parc ouvrait à 8h, mais pour les résidents des hôtels, 7h30. Donc franchement, presque en une heure, on a fait les trois, donc Fly, Navy et Everest, donc c'est génial. Maintenant, on va vous montrer le petit train qui passe. On va voir ce qui se passe du côté de Cali, parce que ça réouvre aujourd'hui. S'il n'y a pas trop de monde, peut-être qu'on le fait, sinon de toute façon... Quoi qu'il se passe, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, après Mathieu a son donut. C'est son ça. Petit déj. Son mobile donut. Allez, petit train. Et on y va. On s'est dirigé vers Cali, ça ouvre d'ici 10 minutes. Et en fait, il n'y a personne. Je suis vachement étonnée. Donc j'avais un doute, je me dis, bah c'est peut-être pas ouvert, mais si, ça va ouvrir. Donc c'est la réouverture. Je sais pas pourquoi, je m'attendais vraiment à une queue de ouf. Non, mais du coup il est 10h, il est 9h, on va quand même le faire maintenant parce que t'as pas un doute quand même qu'après ça soit blindé enfin, je me dis pour la réouverture. Ouais, du coup on vous... Ouais, allez, je vais filmer l'intérieur. Je vais filmer. Nous allons être les 5e et 6e à embarquer pour la réouverture. Moi, je suis trop contente des trucs comme ça. Alors, je suis pas fan hein, de cette attraction. Moi, les bouées, ça me perturbe parce que du coup, je me crispe. Parce que j'ai toujours peur d'être arrosée ou de tomber ou je ne sais quoi, je me crispe. Et quand je ressors, je suis coincée de la nuque. Donc. Mais bon, ça réouvre. Enfin, on est un peu obligé de le faire, je trouve. On doit le refaire. On se retrouve à l'intérieur des bouées. Bon, c'est parti. En plus ici on peut pas se déplacer parce qu'on est attaché. Oh là 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 là. Oh, t'aurais dû te mettre de l'autre côté pour que je te filme. Bon. Ça va. Je suis sûre que je vais tomber. Mais non. Faut que je tienne comme ça en fait ma ceinture. Mais t'as pas ta ceinture, ça sert à rien. Si, je vais tomber, je te dis, je vais glisser. Laissez, ils ont déjà tout trempé. Ça va, y'a rien derrière. Ah oui, c'est vrai, faut regarder les GoPros. Oh, il est beau l'arbre. Aïe.
En plus, c'est brumeux, on voit rien. Non, non. Vous voyez, pour moi, ça, c'est une des pires attractions avec les grandes roues. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, ça va, tranquille, tranquille, c'est bien. Ça va. Ça va. On a estimé un truc. Ah non, j'aime pas quand on est dos. Quand on est de dos, j'aime pas. Je vois pas ce qui m'arrive dessus. En plus, c'est tellement brumeux, ça met une ambiance. Attends, je vais pas le mettre. Quoi? Je mets trop de pression. Hein. Descente. Oh, mais il y avait ça avant. Je me connais pas les seuls en panique. Non. Oh, j'ai peur. Je vous jure que j'ai peur. C'est quoi cette descente? Mais il y avait pas de descente. Ça suffit pas. Elle s'est arrêtée juste au moment où on recevait l'eau. Tiens, accroche, oublie. Tiens, fais-moi, tiens, toi, ta ceinture. Tu m'accroches vite tout à l'heure. Bon, ah, comme si ça suffisait pas. Bon, on est plus à ça près, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gouttes. Oui, il y a beaucoup de gouttes sur l'écran. Attendez, je vais vous essayer un peu. En fait, mon Insta a coupé à ce moment-là, mais on a reçu un peu d'eau. Faudra regarder la GoPro. Un peu. Oh non, je crois que c'était fini du coup. Ah ben ah ah ah, c'est quoi ça? Ah vas-y, passe-toi. Wow, esquive. Ici les gars, on a eu un des plus gros fous rires de notre vie avec les jets. Parce qu'il y a une fille qui l'avait pas vue en 2019. Elle était droite et on l'a vue se faire littéralement le jet en plein tronc. Toute la boue était morte de rire. Sauf elle. Sauf elle. Elle était pénale. C'était royal le truc. C'est fini. Bon, t'auras bien mérité ton petit déjeuner. On se retrouve aux donuts. Regardez, il s'est promené avec nous. Il fait des tours de magie sans payer l'entrée, lui. Tu vois qu'il a peur, le pauvre. Faut l'enlever, non? Je sais pas. Oh. Regardez, ça fait pas rire les gens, je crois. Regardez, à la sortie, vous pouvez appuyer sur le bouton. Vas-y, appuie. Attends, y'a personne là. Non, mais vas-y, qu'on montre. Voilà. Ça t'amuse, hein? Attention. Vas-y. Attention. Ils vont pas rigoler. Il est très bien en plus. Oh non. Regardez, l'entrée de Cali est là, la sortie ici, et juste à côté, vous avez du coup des casiers. Donc vous avez pour 2 heures, pour mettre un sac, c'est gratuit. Donc, c'est bon à savoir. Ouais. Bon, non, chaque fois, on garde tout avec nous. Et normalement, en 2 heures, vous l'avez fait, l'attraction et la queue. Oui, oui. De toute façon, je pense que c'est prévu pour, honnêtement, s'ils savent que genre il y aurait 4 heures, c'est réactualisé, il me semble. Allez, donuts time. Donuts time. Go, on va sécher au soleil. On est bien installé, regardez comme on est au calme. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour le petit déjeuner? Alors moi j'ai pris un chai tea latte froid. Isa elle a pris un lion's latte. Donc c'est du chocolat blanc avec de la noix de coco. Avec bien sûr de la crème chantilly et des éclats de noisettes, je crois. Ah, je sais pas. Noisette. White chocolate and coconut, mais bah non, ça se trouve, c'est de la noix de coco, attendez. Ah, tu penses? Mm-hmm. Okay. Oui, oui. Alors, j'ai un lit. Et puis? Ah, donuts de Noël. Bon petit déj. Bon appétit. Regardez là-haut. On le voit pas très bien, mais on l'entend, hein, ça. Ça dure depuis 10 minutes. Et oh. Là,
Est-ce que tu cours pas en rêve? Tu vas où? On bouge. Ah, tu veux refaire Cali? Parce qu'on est sec? Non, j'allais nous mettre ailleurs. J'allais nous mettre ailleurs. Ta machine électrique, tu remets nous. Non, parce que là, au soleil, il fait trop chaud. Oh, oh là 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 là, il fait trop chaud. Dans une semaine, tu vas pleurer d'avoir dit ça. Mais pourquoi? J'ai dit qu'il faisait trop chaud. Je vais devoir mettre le chauffage à 30 dans la baraque. Quand vous avez Finding Nemo à votre gauche, vous continuez, vous le dépassez, et juste à gauche, vous allez voir une petite entrée pour aller aux toilettes. Ben, nous, des fois, on se pose ici parce qu'en fait, c'est archi calme. Regardez, il n'y a personne. Et du coup, pour ceux qui sont... c'est bête de dire ça, mais ceux qui sont gênés ou qui n'osent pas aller aux toilettes, par exemple Mathieu, dès qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus faire pipi, ben, vous allez dans ces toilettes, elles sont vides, il n'y a jamais personne, mais vraiment. J'ai la vessie timide. Voilà. Mais donc voilà, petite astuce. Mais non, c'est rien, mais du coup c'est bien à dire, tu vois, ceux qui sont gênés, venez ici, je vous jure qu'il n'y a personne, vous serez tranquille. Merci, hein. Pourquoi? Parce que moi je voulais pas vous le dire. Je vais garder ces toilettes secrètes. Ces toilettes secrètes. Il va mettre son étiquette devant, tu sais. Voilà. Mais c'est vrai, il n'y a jamais personne, regardez. Et du coup, même pour vous poser, hein, regardez, vous mettez là sur les murets ou autre, petit écureuil. Regardez, c'est archi calme, c'est à l'ombre. Ça fait une belle petite pause. De toute façon, vous repérez avec ça, regardez. Ah non, on les a enlevés. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais donner un petit pop-corn à l'écureuil, mais on les a enlevés. Non, mais attends, t'es sûr qu'il mange chaud, il va pas être malade? Je sais pas. Ouais, bon, laisse-le manger. Arrête de t'approcher. Bah, tu dis ça, c'est que t'approches. Je rigole s'il va se servir dans la barquette. T'imagines? Il court, il prend une frite, il se barre en courant. Quelle barquette? Du monsieur? Une casquette. Ah putain! Il va sauter, il va traverser, regarde. Vas-y. Il est trop choupinou. Qu'est-ce qu'il mange? Trop mignon. Et ce midi, nous testons le Yakayeti et les restaurants pour la première fois. Bon, du coup, on a été placé à l'étage. Alors, ça a été très très marrant la manière dont ça a été fait parce que du coup, la serveuse nous dit en anglais, hein, mais j'ai compris direct, étonnamment. Elle nous dit vous êtes placé à l'étage, est-ce que vous voulez prendre les marches? Est-ce que ça va pour vous pour prendre les marches pour monter? Ou vous préférez utiliser l'ascenseur? J'ai compris direct, mais j'ai été incapable de lui dire du tac au tac. Non, on veut bien prendre les marches, et bon, on peut monter. Qu'est-ce que j'ai failli lui faire? J'ai mimé, genre, oh non, ok, ok. Ouais, c'est marré, mais elle a compris. Et du coup, c'est encore un resto très très calme. Et on s'est pris du coup des petits cocktails pour commencer. Moi, c'est le Pink Himalayan. Mais pourquoi? Je savais pas quoi. Je savais pas me décider. Il y avait marqué Pink. J'ai dit c'est très bien. Du coup, c'est avec du gin, du jus de raisin, du fruit de la passion, de la citronnelle et du sel. Voilà. Et Choubi, c'est, je reprends la petite carte, lui il a pris un frozen daiquiri à la piña colada. On dirait un milkshake. Voilà. Allez, trinquons. Santé. Chine. Attendez, je vous montre un petit peu le resto. Vous voyez, il y a une salle en bas. En fait, c'est très très grand en bas. En haut, c'est plus petit, mais je crois que c'est tout autant bruyant. Vraiment. Et ben on vous montre les plats qui vont arriver, je pense, très très rapidement. Ah, oui. Bon, ça n'a pas loupé, Léa. Les plats sont arrivés immédiatement. Choubi, éclairage, s'il te plaît.
Alors, il y a du canard et un tikka masala. Voilà. Et pour plus de détails, vous allez voir la carte. Bon appétit. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le lapin? Mais non! Il est trop mignon! Oh. Trop mignon! Panique imminente! Je crois qu'il n'y avait que les deux qui étaient... Ils vont trop bas. Les deux plats étaient... C'est une goutte que j'ai reçue, c'est encore un truc de pigeon. Les deux plats étaient très très bons. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que c'est un incontournable? Non. Est-ce qu'on y reviendra? Probablement pas. Voilà, vous avez notre avis. Mais c'était bon. Il y a tellement de restaurants que... C'est ça. C'était bon. On ne sait pas si on revient ce soir dans ce parc ou non, on ne sait pas trop. On a une réservation de restaurant quelque part. Mais donc on ne sait pas si on va revenir là. Donc dans le doute, on va vous quitter, on va vous laisser sur les images du Tree of Life. Ça, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on vous les montre cette année. Donc, et ben voilà. C'est tout. Oui, mais on vous dit pas demain parce qu'on se reprend tout à l'heure pour manger. Ah ben on finit encore. Profitez bien de l'arbre. 3, 2, 1. Fini. Regardez les cartes cadeaux que vous pouvez trouver. Ça fait un super souvenir donc pour Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studio et Magic Kingdom. Parce qu'une fois qu'elles sont utilisées, bah vous les gardez, hein, c'est une carte cadeau. Et vous pouvez mettre, il faut mettre minimum 15$, mais donc ça vaut le coup. Parce que du coup pour 60$ que vous utilisez après, hein, pour faire vos achats, vous avez une carte de chaque parc. Bon, on se retrouve après un bon repos dans la chambre de plusieurs heures et on va prendre le bateau pour aller à MK finalement parce qu'il est déjà 18h et on a une réservation dans 2h30 quelque part. Donc on va à MK, on va voir Enchantment et puis après on va manger. Voilà le petit programme du soir. Il est trop mignon ce petit bateau. C'est pas ce que tu dis quand t'es dedans. Non, 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 c'est bon. Je l'ai pris une fois, on arrive à bon port. Je vais bien le reprendre. Regardez. Du coup, on alterne. Des fois, c'est ce petit bateau qui est archi mignon, le plus mignon. Et des fois, c'est l'autre qui fait un peu décrépit. Et en attendant Enchantment, et maintenant People Mover. Monsters Incorporated. So drop in.
believe that Joy's Brick was out to get all of your styles at Monsters Incorporated platform. Share the fun. Terminé. Eh ben moi je m'en souvenais pas comme ça. J'ai vachement aimé. Ouais, c'est une petite balade sympa. Non c'est cool, franchement j'ai bien aimé. Il est 7h20, donc Enchantment est à 20h. Faut quand même préciser qu'il y a aussi une soirée Halloween ce soir et que les gens peuvent rentrer. Soirée Noël. Ah soirée Noël. Oh là là. J'ai failli faire que je suis là à Noël. Les gens peuvent rentrer à 19h, donc c'est un carnage pour Enchantment. C'est-à-dire que tout là-bas, jusqu'au château, c'est déjà plein. Heureusement que cette fois, on peut le voir de là-bas. Pour être très proche du bateau, pour vite rentrer. Voilà. C'est... Ah, faut pas se sentir oppressé dans la vie, hein, parce que là... là, les gens, vous allez vous sentir très très mal. On a encore été faire quelques boutiques. Il est... Enfin, Enchantment commence dans 20 minutes, mais... C'est archi, archi blindé. Remarquez peut-être que tous les soirs c'est comme ça, mais comme d'habitude on est tout tout devant, on se rend pas compte. Mais hein, c'est comme ça tous les soirs en fait. Hein. Wow. C'est abusé. Et abusé. Et du coup on se place là exprès, parce que comme on vous a dit, après on doit repartir très rapidement des parcs. Et on veut voir le mapping qui se passe dans Main Street, voir si ça rend bien ou pas. Regardez la water parade. Mais du coup, nous on va pas avoir de bateau en attendant, si? Pourquoi pas? Oh, super! Ah, si, 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 si. Si, si, il est là. Vite, vite, vite. On peut passer à côté. Regardez la parade. Je sais pas si on va entendre le son, mais écoutez, comme c'est kitschou. Thank you.
Ah bah alors là, si on n'est pas aux premières loges, hein. Regardez, dans nos jardins, enfin dans le jardin Opoli, diffuse la Belle et la Bête. Et du coup, ce soir, nous mangeons. Oh, c'est trop mignon, j'espère qu'on t'entend. Il est taré le type. À 21h, il en peut plus. Oh. Et du coup, ici, on a déjà mangé une fonde une fois. Hein? Et on était contre. On a déjà mangé une fois. Oui, une fois. Ouais. Thank you. Ah mais attendez, on va en profiter pour faire le compte rendu d'Enchantment du coup de loin depuis Main Street. Mais c'est très chouette. J'ai préféré moi. En fait du coup ici bizarrement on voit. Alors on voit pas ce qui se passe trop sur le château, mais il y a personne qui met les enfants et tout, donc en fait t'as un très très bon recul. Après j'avoue le mapping sur les bâtiments. C'est sympa. Alors c'est sympa, mais c'est 10 fois plus beau en photo. Hein. Moi en photo, les photos que j'avais vues, ça envoyait du rêve. Hein. Il y avait des pépites, des paillettes de partout, du doré de partout. C'était pas trop le cas. Donc c'est sympa, mais il n'y en aurait pas, c'est pareil. Mais il y a un très bon recul, c'est aussi très chouette de le voir. Donc si vous n'êtes pas à côté, tout près du château, c'est pas grave, c'est quand même très très chouette. Moi je trouve qu'on a mieux les feux d'artifice dans Main Street. Ouais. Ils sont plus impressionnants quand vous êtes dans Main Street. Et vous avez vu, on a encore vu une demande en mariage. On en voit tous les jours. Si j'étais pas déjà mariée, je me dis, c'est un signe, bientôt ça va être moi. Ah mais toi ça est bon, ton tour est passé. Il y en a qui renouvellent à chaque fois. Hein. Ah ben on pourrait renouveler. Enfin, je sais pas où vous le montrez par là parce que je sais pas où on est. Il est par là. Non. Ah si, il est là. Du coup, on est au Hana et c'est un family dinner, enfin, c'est-à-dire qu'on vous apporte à table. On va avoir une petite mise en bouche, une entrée et après en plat. Donc on vous apporte, bah, vous verrez en fait. Vous verrez. On va vous expliquer au fur et à mesure en fait parce que là je m'enfonce toute seule. Je persiste, je continue mais je m'enfonce. Alors on va voir ça au fur et à mesure. Exactement. Est-ce qu'on prend la poule à pou? Non, on en a déjà pris. Moi non plus, je pourrais pas la finir toute seule. Tant pis, on en aura déjà pris deux, déjà, c'est pas mal. Si on arrive à finir ce qu'on nous apporte à manger... On va tout vous montrer au fur et à mesure. On commence tout de suite avec la petite salade et sa vinaigrette. Regardez, je vais faire ça très proprement. Si. Parfait. C'est beau, hein. Ensuite, on a un beurre au miel, 3 petits pains coco papaye et 3 petits pains avec du bacon. Et je crois qu'il y avait autre chose, mais j'ai pas retenu. Donc déjà, ça a changé. Nous, on n'avait pas eu ça. Non. Et ben, on va goûter tout ça. Hein. Ensuite, ben, ça arrive très très vite, hein, les plats. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du dumpling de porc, chicken wings au miel et coriandre, des brocolis et des nouilles. Et pour un mojito framboise et une pina colada pour moi. Parfait. Chin chin. Chin chin. Au fait, on vous a pas prévenu. Tout ça, c'est absolument à volonté. Si vous en voulez plus, vous redemandez. Il n'y a pas de problème. Et alors, avant Covid, en fait, vous voyez, vous aviez avant du bœuf, des crevettes, du poulet qui arrivaient sur des énormes brochettes. Et le serveur venait à vos tables et demandait si vous en vouliez. Et donc, il vous servait à l'assiette. Maintenant, avec le Covid, bon, chose que je comprends pas parce que finalement, le serveur, il apporte quand même. Mais on vous apporte déjà à table une certaine quantité et vous redemandez si vous voulez. Alors pour moi en fait c'est ridicule parce que ça fait plus de gaspillage qu'autre chose. Et de toute façon le serveur vient de toute façon à ta table, donc je comprends pas. C'est parce qu'en fait quand t'avais la brochette de crevettes, oui. T'en prenais 3. Oui. Et il en restait imaginons 5 dessus, là, la table d'à côté avec les 5. Ouais. Mais toi tu les avais eu en, entre guillemets en contact rapproché. Ah. J'avais pas pensé à ça, mais ça fait quand même beaucoup gaspillage, je pense. Oui, bah oui. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on nous apporte? On a du bœuf teriyaki, des crevettes épicées et un, c'est clair, ici, on voit rien. Un poulet grillé à la sauce chimichurri. Mmh. En tout cas, sinon, les noodles très bonnes. Les wings, moi j'adore beaucoup. Mathieu, il a pas trop aimé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les dumplings là, ils étaient excellents et les brocolis bah, très bons, toujours croquants mais très très bons. Du coup on va tester ça et on vous dit. Du coup on a un Ohana pudding avec une glace vanille et un caramel, mais on n'en peut absolument plus, donc on va rapporter ça en chambre et ça sera mangé vers 3h du matin quand j'aurai une petite fringale. Je rigole, hein. On se calme. Non, il rigole pas. On
a oublié de dire au revoir. Moi, je dis que c'était pas grave, que vous pouvez aller dormir, mais Isa tenait absolument à vous dire au revoir. Mais je suis KO. Donc KO voilà. Technique, 23 heures, capoute. Au revoir. À demain.